Salut les gens, c'est la haute Gaule. Je me faisais la réflexion là ce matin du lundi 11 décembre. 11 décembre. Le gars il est voyant et il est déjà 3 mois plus tard. 11 septembre. Que c'est la première année où j'ai autant de moustiques en fin de saison. Il y en a parfois jusqu'à 7 ou 8 qui me tournent autour. Le chien il en peut plus, il veut plus avancer. Enfin là ça va, mais j'ai dû l'attirer. J'ai une personne qui m'a mis un commentaire sur la vidéo d'hier. Celle sur les portails énergétiques. En disant, et c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, qu'elle n'aimait pas faire des soins collectifs parce que on ne savait jamais sur quelle personne on pouvait tomber dans le groupe. Et c'est vrai que c'est un truc hyper important que j'aurais dû préciser. Quand on fait un soin collectif, là encore, le praticien se doit d'être vigilant. Normalement, un praticien qui fait des soins est censé ressentir l'énergie des gens. Et donc, ressentir qu'une personne peut être bénéfique ou toxique pour le groupe. Donc c'est une des raisons aussi, au-delà des portails énergétiques, c'est valable pour tout, toute forme de truc collectif, qu'il faut y faire attention vraiment aux gens qui rejoignent les groupes. Pour ma part, j'arrête les soins collectifs, pas pour cette raison, parce qu'en général j'ai la chance d'avoir des groupes assez bienveillants. Je les arrête parce que l'énergie du moment n'est plus propice pour faire des soins collectifs. C'est-à-dire que le problème, je l'ai expliqué, c'est que l'énergie est très basse pour l'instant, tout comme elle est très haute. Mais la peur fait que beaucoup de gens se connectent aux énergies basses. Et donc pour faire des soins collectifs, c'est pas le top. Donc en ce qui me concerne, à l'heure actuelle et jusqu'à nouvel ordre, je n'en propose plus. Aujourd'hui, je vais te parler des mauvais sorts et des envoûtements. Alors beaucoup de gens, parmi les mails que je reçois, ce sont les plus fréquents. Alors selon les années, ça peut varier de 3 à 4 mails par semaine à un mail par mois. Ça dépend un petit peu des périodes. En fait, plus ça va mal dans le monde, plus les gens sont mal dans leur vie, plus je reçois de mails de personnes me demandant si elles ne sont pas sujettes à un mauvais sort ou un envoûtement. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au moment où je te parle, moi, je suis sujet aux moustiques. Je vais pas te le répéter tous les jours, mais je trouve ça un peu étonnant. Tout comme je trouve étonnant les événements qui se produisent ces derniers temps. 10, 11, 9, 10, 11 septembre, plus que 30 degrés. Oui, tu vas me dire, c'est normal, c'est le réchauffement climatique. Bien sûr. Bref. D'ailleurs, c'est assez désagréable de se promener dans ces conditions. Pauvre cheval. Qui sont eux aussi sujets. Il y en a deux d'un coup sur mon bras. Faudrait que je retrouve mon huile essentielle qui éloigne les moustiques, je sais pas où je l'ai mise. T'en fous, je sais que tu t'en fous. Je suis occupé à pérorer, à parler tout seul parce que. Voilà. Donc, beaucoup de gens m'écrivent pour me dire, peux-tu vérifier? Je pense être sous l'emprise d'un sort, etc. Alors, souvent, c'est faux. C'est-à-dire que, en général, 9 fois sur 10, quand tu es sous l'emprise d'un sort, tu n'es même pas capable, non seulement de t'en apercevoir, mais en plus, d'écrire à quelqu'un pour dire « je pense être sous l'emprise d'un sort ». Ça, c'est déjà la base. Parce qu'en général, tu n'es plus tout à fait maître de toi-même. Ça va les biquettes? C'est Shiva, le chien. Il existe différents niveaux de sorts, d'envoûtement. C'est-à-dire qu'on est tous, sans exception, tous les êtres humains qui sont ici sur Terre, sont sous l'emprise d'un sort.
ce sort. On l'appelle hypnose collective, on peut l'appeler technologie, mais en général ce sort sous lequel on est tous, c'est la matrice dans laquelle on est. Ça, c'est déjà une base totale. On est aussi sous le sort du capitalisme. Ce sont des sorts, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans une énergie qui t'empêche d'être dans le plein contrôle de toi, tu es sous l'emprise d'un sort. Alors, certes, tu penses être dans le contrôle de toi, mais en fait, tu ne l'es pas parce que si tu n'es pas totalement soumis à ton patron, tu n'as pas de travail. Si tu n'as pas de travail, tu n'as pas de maison. Donc, globalement, tu n'es pas à 100% pas à 100% libre. Mais, de manière générale, on ne peut pas appeler ça un mauvais sort. On peut appeler ça une emprise. C'est un peu différent. Il y a les mauvais sorts qu'une personne peut te jeter grâce à ses pensées ou à cause de ses pensées. Ça va, les filles? Pourquoi? Une personne qui te veut du mal, qui pense mal à ton égard, va inévitablement t'envoyer une énergie négative et toxique. Mais ce n'est pas un sortilège. Il y a les sorts et mauvais sorts. On peut te jeter l'œil, comme on dit. C'est-à-dire qu'une personne peut te dire ou penser à ton sujet ou dire à une tierce personne à ton sujet « J'espère qu'il lui arrivera le pire dans ta vie, dans sa vie. » Ça, on va dire, c'est jeter l'œil. Il y a les vrais sortilèges, c'est-à-dire une personne qui va faire un rituel sans ton accord, même s'il est bénéfique pour toi. Et ça, ça peut paraître très paradoxal. Même s'il est bénéfique pour toi, aussitôt qu'on fait quelque chose sans ton accord, c'est de la magie noire. Et puis, il y a ceux qui vont faire des rituels pour te nuire. Et puis, il y a les envoûtements. Et les envoûtements, c'est quand, d'une certaine manière, une énergie tierce prend possession. Et ce n'est pas de la possession. Ce n'est pas un phénomène de possession ou de hantise. C'est quelqu'un prend possession de ton esprit. Mais tu es toujours conscient. Il est de plus en plus difficile pour toi de faire certaines choses. Tu es toujours conscient, mais quelqu'un a pris possession de ton emprise, de ton esprit. Après, il y a les poupées vaudou et ce genre de trucs. Tout ça existe. Je suis pas là, merde. Je suis pas là pour te dire « Oh, les moustiques, faut grandir un peu, là. Les oreilles, c'est bon. » Je suis pas là pour te dire « Oui, ça n'existe pas, tu te fais des films. » Non, non. Je suis excessivement bien placé pour te dire que ça existe. Mais la première question à te poser, c'est pourquoi on voudrait te jeter un sort? La deuxième question à te poser, c'est qui pourrait te jeter un sort? Et la troisième question à te poser serait quel genre de sort? Parce que j'ai souvent ce genre de mail, oui, parce qu'en fait, l'ex-femme de mon mari va voir un médium qui connaît quelqu'un qui... Ok. Mais souvent, les gens le prennent très mal quand je dis « Désolé, dans ton énergie, je ne vois pas d'emprise, je ne vois pas de sort, je ne vois pas d'envoûtement. » Parce qu'en fait, il y a la vie. La vie, c'est quoi? C'est cool aujourd'hui, et demain, c'est la galère. Et après-demain, c'est recool. Et après-après-demain, c'est la galère. Mais il y a la méthode Coué qui marche dans les deux sens. Et il y a la loi d'attraction qui marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si tu te concentres toujours sur la galère, la loi d'attraction va attirer des galères à toi. Si tu te convaincs constamment d'être sous l'emprise d'un sort, ton énergie va te le prouver. Et ça, ça s'appelle de l'auto-envoûtement. L'auto-envoûtement, c'est aussi quand tu es constamment dans des basses fréquences, dans des mauvaises pensées, et que ton énergie va attirer de multiples expériences qui vont confirmer ces basses pensées,
ces basses fréquences. Parce que dans la vie, c'est noir ou c'est blanc. Et là où tu portes ton attention, tu donnes de la force. Autrement dit, si tu portes ton attention sur tout ce qui est positif, eh bien, tu ne verras que du positif dans ta vie. Dans un live ou plusieurs, j'ai déjà parlé de mon pote quand j'étais à l'école, Salvatore, qui trouvait toujours quelque chose. Mais il était convaincu que où qu'il aille, il trouvera quelque chose. Et son énergie le lui prouvait, parce qu'il portait son attention dessus. C'est pour ça que je dis souvent, je ne crois pas en la chance. Parce que, par exemple, moi j'aime bien jouer des jeux à gratter, et de manière générale, je récupère souvent 120% à 200% de ma mise. Ah oui, il y a des jours où je perds, évidemment. Je ne joue pas tous les jours, mais quand je joue, parfois je perds. Mais de manière générale, je récupère ma mise et plus. Parce que je ne crois pas que je peux perdre, ou du moins pas sur une durée déterminée. L'auto-envoûtement, c'est le plus fréquent des sorts. Tu es tellement persuadé qu'on t'a acheté un sort que ton énergie va te le prouver. Comment savoir si on t'a acheté un sort? En général, tu perds tes moyens. Tu accumules effectivement beaucoup de merde. Mais quand je parle de merde, c'est pas une dispute avec un collègue, bien que ça puisse en faire partie. Quand je parle de merde, c'est pas forcément la voiture qui tombe en panne, bien que ça puisse en faire partie. Quand je parle de merde, ce sont des atteintes à ta vie privée, à ta vie physique, des trucs relativement graves. Alors un sort peut aller crescendo. Ça peut commencer par une panne et les emmerdes arrivent en cavalcade. Perte financière, perte d'autonomie, perte de la santé, perte des êtres chers, ça monte, ça monte, ça monte. Maladie, etc. C'est difficile de savoir que on est sous l'emprise d'un sort, d'un mauvais œil, d'un sortilège ou de ses propres pensées, je te l'accorde. Mais je répète, tout le monde sur cette terre, sans exception, sont sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Ce qui les empêche de voir le beau en tout. Et puis, on est aussi dans un monde duel. C'est-à-dire que il y a du beau comme il y a du moins beau. Il y a du blanc et du noir. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, une vie peut être globalement très agréable, positive et bénéfique, avec certains moments négatifs, ou inversement, selon ton mode de pensée, ton état d'esprit. Elle peut être pourrie de A à Z, avec de temps en temps des moments positifs. Mais pourquoi c'est important de bien comprendre ça? Parce que penser qu'on est sous emprise va inévitablement amener des merdes dans ta vie et te déresponsabiliser. Parfois, s'il y a des merdes, c'est que tu as fait les mauvais choix et il faut l'accepter. Parfois, s'il y a des merdes, c'est que tu n'as pas, on va dire, assumé certaines décisions ou responsabilités et il faut l'accepter. C'est pas parce que tu as des merdes que tu es sous un sort. J'ai fréquenté à l'époque par les marchés, toujours pas au top 1, et chasser le moustique en même temps. À l'époque, j'ai fréquenté une fille qui faisait de la magie marocaine et elle m'a dit: tu sais David, c'est épuisant de faire un rituel. On ne fait pas des rituels pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que il y a des gens qui pensent qu'un gars, au fin fond de sa cave, ou au fin fond du Maroc, ou de n'importe où, prend sa photo, sacrifie un poulet, juste pour qu'elle ait des problèmes d'argent, juste pour se venger. Ça peut arriver,
mais c'est pas fréquent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est épuisant. Déjà, faire un soin, c'est épuisant. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'énergie. Et si on n'est pas en mesure de se ressourcer, c'est assez difficile. Attends, parce que là, je suis à la chasse. Si on n'est pas en mesure de se ressourcer, c'est assez difficile de s'en remettre. Parfois, je connais beaucoup de gens, c'est mon cas, ça dépend des jours et du nombre de soins que je fais, mais qui s'endorment très très tôt le soir dans la pratique des soins, tellement ils ont puisé leur énergie. Maintenant, avec les années, j'ai appris à travailler différemment pour ne pas m'épuiser, me puiser. T'as compris? M'épuiser, me puiser. Mais pourquoi quelqu'un épuiserait son énergie pour te jeter un sort? C'est la question à te poser aussi. Et puis, tu sais, il y a des gens du bien, il y a des gens du mal, mais même les gens du mal ne font pas le mal gratuitement tout le temps. C'est-à-dire que si quelqu'un, moi ça m'est déjà arrivé, hein, qu'une personne vienne me dire, écoute, machin a été, parce qu'elle voulait jeter un sort à son ex-mari pour qu'il revienne, etc. Et le gars lui a dit. Et le gars était réputé à Bruxelles comme n'étant pas toujours très positif, ni très honnête dans ses rituels. Le gars lui a dit, mais s'il doit revenir, il reviendra. Je vais quand même pas perdre mon énergie pour ça. Tu comprends? Voilà. Mais après, il y a des gens très mauvais sur Terre qui font ça et qui se ressourcent énergétiquement en puisant dans ton énergie. Et ça, c'est autre chose. Ils existent, mais c'était pas le débat du jour. Quoi qu'il en soit, là j'espère vraiment que cette vidéo, qui pour moi fait partie des séries vraiment importantes, puisse te faire prendre conscience de certaines choses. Ça existe, ne le nions pas. Mais ça court pas les rues non plus. Parce que s'il y a des pays dans lesquels la magie est coutume, il y a beaucoup de pays. Tu te rends compte? Tu crois que quelqu'un qui te veut du mal ira jusqu'en Afrique ou au Maroc ou n'importe où pour te faire jeter un sort? Alors, oui, je sais, il y a des sorciers africains à Paris, il y en a partout. Mais tu comprends l'idée. Allez, je te laisse.